Eshera mi maro, pura mi mole go, saro, ayuda mi sar fura mi mei, asera mi mora bi nostera, saudi asmeram, susuru mi mole, filmina zaro, ege jefra, Maruvero, Saru, Eserami filo, Garofrai, Asurumi morabi del foram, Asufermeroi, Eseferami moresoi, Usurumi monravon, Aderamur, forami malgevo, Seram adelo crespre manro furamini. Agora mi mora i flai barezo saugi versravo. E serami furami mora veri. Petros me mora i fili varzo. Anor. Eseferaman, sagora miloi, ajeferami mora ban saro, ayuda melo, tekrefirami mora sari, ebinora ifilgesera. Ena udelfra, mayuji binolehi flo, gasur, Edinali comin saro fermoroi, edonai filibin malcevo, aiuda melo, te creferami morevoi, ena odias meravo. Bara de la zo, sa odias mino filgo, sanur, Es providera man saro filogei, abenola i fili gel fara mao disperaso. Sagora mi moldei formera varo, gera mi fil dei mo fil zero, aksur. Minna odia speravo malugeram, adora binora bin felgeram, ma dias mero. Es foragei, sfravidera mi faram. Seigneur, mon âme te loue et te bénit, parce que personne n'est comme toi. Age jefar, ma odias melo fra. Aksara, adonai min rabban saro malogei, abora binostravo del saragumir, manufla zoro, bora mi mora ifernei, spravidias me forem. Barata wa inna mora monate ikalus me felazo baruki. L'année 2000, 24, sur le plan mondial, sera une année où beaucoup de grands de la terre, entre guillemets, retourneront vers leur créateur. Notez cela. L'année 2024 sera une année où beaucoup de grands dans les nations vont mourir. Beaucoup de grandes personnalités, des présidents, des personnalités, des premiers ministres, etc., etc., etc. L'année 2024 sera une année d'un grand bouleversement international. Parce que dans l'agenda du roi de gloire, y aura un grand bouleversement international à la tête des États, parmi ceux qui dirigent les nations. Le Père des nations, de la terre, se lèvera. Le Créateur des choses connues, des choses inconnues.
Parce que de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a créé, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Il révélera en son temps toutes ces choses-là. Lorsque le temps sera arrivé, 2024, notez ça chacun dans son agenda. 2024, l'Éternel jugera les dirigeants des nations, les impies. Il ramènera certains à lui après avoir servi loyalement son nom et les intérêts de son royaume. À d'autres aussi, l'Éternel demandera des comptes. Mais je vous le dis par l'Éternel, mon Dieu, 2024, beaucoup de nations perdront leurs dirigeants. Vous entendrez parler de la mort de beaucoup de chefs d'État. Vous entendrez parler de la mort des gouverneurs, de la mort des ministres, des premiers ministres, des grands diplomates, des députés, etc., etc., des sénateurs, des grands hommes politiques en 2024. 2024 sera pour beaucoup de nations une année de jugement et de tristesse. Parce que le Dieu de l'univers se lèvera pour demander à plusieurs des comptes de la manière dont, pour la manière dont ils auront dirigé les nations. Notez cela. Beaucoup mourront, beaucoup retourneront vers leur Créateur. Dieu s'immiscera dans les affaires des hommes en 2024. Pour l'Église, pour ceux qui écouteront la voix de l'Éternel, 2024 sera une année de gloire. C'est une année de restauration. C'est une année de renouveau, en fait. Ce sera une année où Dieu fera des choses nouvelles dans la vie de ceux qui obéiront à ses commandements. Dieu se révélera à eux comme le Dieu de gloire, comme le Dieu qui restaure, comme le Dieu qui bénit, comme le Dieu qui élève, comme le Dieu qui nettoie les larmes des yeux de ceux qui le servent, un peu comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 11. Donc 2024 pour l'Église, pour ceux qui seront obéissants, soumis à la parole de Dieu, pour ceux qui suivront le chemin, les sentiers de la justice, Dieu les délivrera de la main de leurs ennemis. Le Seigneur les bénira. Dieu fera resplendir sa gloire dans son Église, au milieu de ses serviteurs qui seront demeurés loyaux à la vision que Dieu leur aura donnée. Dieu les utilisera comme des échantillons pour ramener la gloire dans l'Église, pour enlever la honte, pour changer la manière dont les gens voient l'Église et les serviteurs de Dieu, les fils du royaume et les filles du royaume. Donc 2024 doit être une année pour chaque enfant de Dieu de consécration, une année où on recherche Dieu de réconciliation avec le Saint-Esprit, une année d'attache à Dieu, d'attache à la parole de Dieu, une année d'exercice de nos cœurs, l'obéissance au commandement du Tout-Puissant. Alors l'Éternel, à nos résolutions, fera répondre le succès. Quand nous prierons, le Seigneur nous exaucera, il nous accordera les désirs de notre cœur. 2024, pour les enfants de Dieu qui se démarqueront, par leur obéissance, sera une année de vengeance de l'Éternel. Dieu humiliera littéralement tous ceux qui nous ont maudits, ceux qui nous ont méprisés, ceux qui nous combattent, ils seront combattus. Parce que ce ne sera pas nous qui serons combattus, ce sera le Dieu dont nous sommes les serviteurs et les servantes. Dans somme, 2024 doit être pour chaque enfant de Dieu une année de retour à l'Éternel, de retour massif vers Dieu. Nos cœurs doivent retourner vers l'Éternel et nous rendra prospères. Beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront une gloire telle qu'on n'en a jamais connue. Beaucoup accompliront des choses qu'on n'a pas encore vues dans l'Église aujourd'hui. Dieu bénira. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, le plan politique, etc., Dieu nous donnera la royauté, nous donnera le gouvernement en 2024. La seule condition, c'est de plaire à Dieu, de plaire à Dieu, de contenter le cœur de Dieu. Pour tous ceux qui écouteront la voix de l'Éternel à travers les misérables que je suis, le moindre que je suis, le vermisseau que je suis, alors 2024 leur apportera des choses qu'ils n'ont même pas attendues parce que dans les visions de l'Esprit, le Seigneur m'a montré que beaucoup de choses que nous attendons, ça n'arrivera même pas. C'est-à-dire, parlant du bonheur, de la joie, du succès, ça n'arrivera pas parce que ces choses-là ne sont pas comparables à la gloire que Dieu a réservée dans son programme pour son Église, pour ses serviteurs et pour ses servantes. Dans ces choses-là que nous pensons être grandes, que nous pensons être énormes, que nous pensons être gigantesques, en vérité, par rapport à ce que Dieu a prévu pour ses serviteurs et ses servantes, pour 2024, ces choses-là, c'est zéro.
Donc, le mariage que tu conçois dans ton esprit pour 2024 et que tu penses être quelque chose de glorieux, ou bien la richesse, ou bien le succès que tu conçois, c'est zéro par rapport à la grandeur de ce que Dieu a pour son Église pour 2024. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu connaîtront une gloire qu'ils n'ont pas encore explorée. 2024 sera une année de consolation pour plusieurs. Ce sera une année de bénédiction pour plusieurs, une année de grâce, une année de faveur de Dieu, une année de restauration, une année où ceux qui ont pleuré depuis leur naissance ou bien tout au long de l'année 2023 vont aussi rire. Ils vont rire, on verra leurs dents. Leurs ennemis verront leurs dents. Parce que l'Éternel les consolera, l'Éternel les bénira, Dieu les bénira. Et quand j'ai vu dans le programme de Dieu pour 2024, j'ai vu une année de fête pour ses bien-aimés. Ce sera une année de festivité. À partir de janvier, ceux qui vont se conformer à cette parole de prophétie, ils verront ce qui va se passer dans leur vie. 2024 sera une année de joie, de festivité. On ira de bonne nouvelle en bonne nouvelle, de joie en joie, de gloire en gloire, de richesse en richesse, d'exploit en exploit, de record en record, de bénédiction en bénédiction, de mariage en mariage. Dieu bénira son peuple. Dieu bénira son peuple. Que chacun attache sa ceinture. Dieu bénira son peuple en 2024. Ce sera une année où nous allons voir Dieu d'une autre façon. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu différemment. Où Dieu prouvera à nos adversaires, à nos détracteurs qu'il est Dieu. Il nous défendra. Il défendra ses bien-aimés. Il nous restaurera. Ce sera une grande année de consolation pour beaucoup d'enfants de Dieu, pour son peuple. Consolera. Il consolera, il épurera sa maison. Son vent soufflera dans son église. Il fera la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Donc, en des temps comme ceux-là, il faut servir Christ. Il faut servir le Seigneur, retourner à lui. Ce sera une année où tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Toutes nos prières seront accordées. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander chose quelconque, mon nom, je le ferai. Il dit encore, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Pourtant, nous demandons tous les jours. Mais il dit, c'est zéro par rapport à ce que lui, il a prévu pour nous. Il pense qu'on va demander de vraies choses. Et ce que nous pensons être de vraies choses, pour lui, en réalité, c'est zéro. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Ouais. Donc, ce que tu penses demander à Dieu pour 2024, là, je te dis la vérité, c'est rien par rapport à ce que Dieu veut que tu lui demandes. Mais comment faire pour demander ce que Dieu veut que nous demandions si nous ne connaissons pas le programme de Dieu et si nous n'avons pas la révélation de son agenda? Il faut les prophètes pour cela. Il faut des hommes de Dieu qui percent le mystère de Dieu, à qui Dieu parle, à qui Dieu donne des tarimata ou des arimarimata et leur demande de. Et il manifestera une grande gloire en cette année 2024. Ce sera une année de fête. Vous savez, quand une année a été difficile, je l'ai annoncé, je vous ai dit par l'Éternel des armées que cette année sera compliquée. Mais cette fois-ci, l'année 2024, ce sera une année où nous travaillerons comme les fourmis et nous aurons la moisson des éléphants. Ce sera une année de percée, de records, de pulvérisation des records inattendus dans les familles. Ceux qui ont été moqués, ceux qui ont été raillés, ceux qui ont été un sujet de sarcasme et de raillerie, de diatribes et de pamphlets. Dieu les prendra et confondra ceux qui ont pensé être, ceux qui ont régné en 2023, pensant qu'ils régneraient sur toute la vie. Le règne de ces bien-aimés a sonné. Et 2024 sera le début d'une nouvelle ère prophétique, même pour l'Église. Des grands prophètes, entre guillemets, des prophètes majeurs naîtront. Des hommes et des femmes qui ont cherché la face de Dieu, qui ont enduré la souffrance pour le témoignage de Christ, qui ont accepté l'humiliation, le rejet. Ils ont enduré la pauvreté. Ils ont enduré les injures de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, sans être infidèles à leur engagement à servir Christ. Dieu se souviendra de cela. Il les prendra, comme dit l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et la Bible dira, il prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Il prend les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui pensent être. Il le fera. Il le fera.
Il le fera. J'ai vu dans les visions de l'esprit une bande d'ennemis du peuple de Dieu. Ils avaient la main à la bouche. Ils étaient bouche bée. Littéralement bouche bée. On leur demandait d'insulter encore. Ils n'arrivaient plus à insulter. À cause des grandes œuvres que l'Éternel faisait naître de la terre aride. Parce que de la terre aride, j'ai vu naître des vergers, des jardins potagers. J'ai vu naître des jardins avec des arbres fruitiers de toute espèce en 2024. Une année de fécondité, de multiplication, une année de fertilité, une année d'enfantement en grand nombre. Et on ne dira plus qu'il y a des femmes stériles en Israël ou qu'il y a une stérilité en Israël. Non. On ne dira plus ça dans ta vie. On ne dira plus dans ma vie. Tout ce que nous entreprendrons réussira. Pour ceux qui craindront l'Éternel, pour ceux qui s'attacheront à la parole de l'Éternel, leur Dieu. Lorsque tu semeras une graine, elle produira 30, 60, 70, 100, jusque dans l'éternité. Parce que la bouche de l'Éternel se mêlera à nos œuvres. Comme il est dit quelque part, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Donc 2024 sera une année de jouissance du fruit de notre travail. Dieu va nous bénir. Dieu va bénir plusieurs avec le mariage. Dieu va donner la percée financière à plusieurs. Dieu va donner la percée professionnelle à plusieurs. Dieu va guérir plusieurs des maladies incurables, des maladies sataniques, des maladies qui les conduisaient droit vers le tombeau, vers la tombe et les sépulcres. Dieu les guérira. Dieu purifiera les corps. Dieu enlèvera le cancer. Il enlèvera les tumeurs. Il enlèvera les maladies incurables. Il enlèvera les maladies curables. Dieu redonnera la vie à ceux qui le chercheront. Voilà pourquoi en 2024, il faut chercher la face de Dieu. Il faut aller dans les églises. Va à l'église. Ne reste pas à la maison, va à l'église. C'est pour ça que ce dimanche 24, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ici à Yaoundé, à la Bire. Et à Douala le soir. En Dogba, à partir de 16h, je serai présent, s'il plaît à Dieu. Que chacun se revête des vêtements de fête. Mets-toi dans tes 31. Porte des vêtements de fête. Même si vous me suivez en direct, vous ne pourrez pas être là. Vous êtes à la maison chez vous, habillez vos enfants avec des vêtements de fête. Parce que 2024 sera une année de fête, de festivité, où nous allons festoyer devant Dieu. Ce sera notre tour de régner, nous qui avons été insultés, toi qui as été méprisé, qui as été rejeté, qui as été raillé, qui as été houspillé, qui as été saboulé. 2024, Dieu te le donne comme une année de restauration et de fête. On va fêter. Il y aura beaucoup de mariages et de mariages glorieux. Tu n'iras pas dans le mariage pour divorcer ou bien pour pleurer ou pour souffrir. Dieu te donnera la bonne personne. Tu auras la bonne femme, te donnera le bon monsieur. Dieu te bénira. Sur le plan de la carrière, plusieurs seront positionnés à juste titre dans leur destinée. Parce que Dieu t'arrachera de l'erreur de destinée dans laquelle tu vis aujourd'hui et te ramènera sur la terre de ta prophétie. Alors on entendra que telle femme qui était insultée a bâti des immeubles, elle a réussi à construire sa propre maison. Beaucoup habiteront leur maison. La Bible dit que tu boiras du fruit de la vigne que tu auras plantée de tes mains. Oui, tu boiras du fruit de la vigne que tu auras plantée de tes mains. Tu ne planteras pas en 2024 pour que d'autres boivent du fruit de ta vigne. Non. Nous buvrons, bien-aimés, du fruit de notre vigne. Dieu te donnera un grand vignoble qui sera plein de vignes et ton vin sera de qualité, de haute qualité, de qualité unique, comme le vin des noces de Cana. Dieu te donnera d'accomplir des choses que tu n'aurais jamais imaginées, des choses qui fermeront à jamais la bouche de nos détracteurs. Dieu donnera le mariage à plusieurs. Et je le répète, Dieu donnera le mariage à plusieurs. Donc si vous êtes une femme célibataire, vous êtes un homme célibataire, ce dimanche 24 décembre, qui est le dernier dimanche, rejoignez-moi à la Bire à Yaoundé. Si vous êtes au Cameroun, soyez à la Bire. Tout à l'heure, à partir de 8 heures, nous serons à la Bire pour lancer les hostilités. Venez très tôt pour avoir les meilleures places. La parole de l'Éternel sera adressée à plusieurs, et je répète, la parole de Dieu sera adressée à plusieurs ici à Yaoundé, à la Bire. C'est le dernier culte des familles. Viens avec ta famille, présentez une offrande familiale, ta dernière offrande de consécration des familles à l'Éternel, ton Dieu. Dieu te bénira. Tu verras ce que Dieu fera.
Donc, ce sera à 8h à Yaoundé. Et puis, le soir, j'irai à Douala pour dire aussi bonne année aux enfants qui sont du côté de Douala. Donc, toi qui es à Douala, à Idéa, à Limbé, à Boya, etc., ne manque pas. Vous êtes à Banga, vous êtes à Bafoussam, vous pouvez prendre votre cas aujourd'hui. S'il vous plaît, n'entre pas en 2024 sans me voir physiquement. Autant que cela dépend de toi, fais-le. Fais-le. Lorsque Dieu sort ses serviteurs, les prophètes, ils sont comme des flèches dans le carquois de Dieu. Le culte-ci sera très déterminant pour notre année 2024. Donc chaque action prophétique qui sera posée, bien aimé, il faut le faire. Il y aura un service de lavement de face. On va laver notre face pour dire, Seigneur, les malchances de 2023 n'entreront pas vraiment en 2024. Les blocages de 2023 n'entreront pas en 2024 avec moi. Le célibat, si. Non, non, 2024, je me marie. La pauvreté, si. 2024, je serai riche. Le fait d'être loué et en location, locataire, locataire. 2024, je serai bailleur. Je veux construire ma propre maison. Bien-aimé, il faut une foi de fou. J'ai besoin de fou. J'ai besoin de fou. Quelqu'un qui fasse des projets devant Dieu qui sont des projets fous. Demain, on va le faire. Tu viens avec tes projets pour 2024. Quels sont tes sujets de prière pour 2024? On va prier pour cela. Dieu manifestera une grande gloire. Nous allons laver nos faces. Même ton enfant, ton bébé, au lait, il faut laver sa face devant l'Éternel des armées. Tu verras ce qui se passera. Toute forme de masque, toute forme de masque qu'on a mis sur toi comme ça là, qu'on a mis sur toi, quand on va laver notre face, le masque là va quitter. Le masque de la malchance, le masque du rejet, du mépris, de l'échec, des blocages, du célibat, de la pauvreté, on va enlever ça. Dieu le fera. Par les injonctions prophétiques, Dieu le fera pour toi, il le fera pour moi. Tu ne dois pas te décourager. Il y a encore une seconde chance pour toi. Dieu te bénira. Je veux quelqu'un qui dise en commentaire, 2024, c'est mon année. C'est l'année de mon succès, c'est l'année de mon témoignage, c'est l'année de ma réussite, c'est l'année de mon mariage, c'est l'année de ma guérison. Quel est le miracle que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends pour tes enfants? Le culte-ci, je veux bénir les gens. Je veux bénir les familles. En tant que prophète sacrificateur, je veux bénir les familles. Ça sera très fort. Ça sera fort. Ceux qui ne seront pas connectés en direct, qui ne seront pas en présentiel, qui soient connectés. Ne manque pas le culte de ce matin. Sois connecté. Pendant que je prierai aussi pour les familles qui sont dans d'autres nations. Je vous dis la vérité. Des portes inexplorées te seront ouvertes en 2024. Tends ta main vers moi, on va prier ensemble. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés ce soir, que ta main soit grande dans leur vie. Je prie pour une intervention divine puissante dans leur vie. Tous ceux qui seront connectés le matin pour le culte de délivrance des familles, lavement des faces, que ce soit Yaoundé ou bien Douala, ceux qui seront connectés dans quelques nations, que ce soit, Seigneur, qui reçoivent les mêmes grâces et les mêmes bénédictions. Le malade sera guéri. Il n'entrera pas malade en 2024. Celui qui a été maudit sera béni pour 2024. Ceux dont les vies sont bloquées verront la liberté, la prospérité en 2024. Tu feras des choses inouïes dans nos vies, Seigneur. Tu béniras nos enfants, tu béniras nos époux, tu béniras nos épouses, tu béniras notre travail, tu béniras nos vies, Seigneur, avec la longévité. Je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, 2024 ne sera pas une année d'affliction. 2024 ne sera pas une année de pleurs, de contusions, de confusion ou de blessures, mais une année de joie et d'épanouissement. Qu'il en soit ainsi, que cela soit écrit en ton sujet. Pour toi et ta maison, je vous bénis au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. À cause du culte de demain, je voudrais me retirer pour avoir un temps de méditation et chercher Dieu. Oh, on va parler de l'âne qui a parlé. L'âne qui a parlé. Donc c'est un culte à ne manquer sous aucun prétexte. Et la bénédiction de Dieu sera sur toi et viens avec ta bouteille d'huile de faveur. Si tu n'as pas ton huile de faveur, faites pour en avoir ici. Le 31 décembre, à Paris, je serai en présentiel par la grâce de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je serai à Paris le 31 décembre, de 21h à 5h du matin, dans la lune, dans la salle de fête, appelée la lune d'or. Lune d'or. Lune d'or. 20 avenue des Courtes Épluches, 1100 Villa B. Lune d'or,
20 avenue des Courtes Épluches, 91 100 Villabé. Voilà l'adresse pour le grand programme qui aura lieu en France, l'Exodus Night, la nuit de l'Exode, où nous quittons la maison de la servitude pour Canaan, le pays où coule le lait et le miel. À Yaoundé, l'Exodus Night sera à la Bille, de 21 à 5 heures du matin. Nous appelons tout le Cameroun de ce côté. À Douala aussi, je serai en Dogbo et dans toutes nos églises, Dieu manifestera une gloire extraordinaire. Bonne année 2024, je te vois dans les hauteurs de sa gloire et de sa grandeur. Ceux qui t'ont méprisé aujourd'hui, ils te regarderont comme ça, ils lèveront les yeux pour te regarder. Et toi, tu baisseras les regards pour les regarder. Qu'il en soit ainsi, que ces paroles de prophétie soient scellées au nom puissant et souverain de Jésus. Tu ne seras plus un sujet de honte. Non. J'ai dit non. J'ai dit non. Toute malédiction, toute pratique de sorcellerie qui t'a attaché, qui t'a encadenassé, est brisée au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Toi-même, tu seras surpris de ta vie en 2024. Que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Passe une excellente nuit, mais fais tout, toi et tes enfants. Ne laisse personne à la maison pour ce culte de lavement de la face et de présentation de nos familles devant Jésus-Christ pour l'année 2024. C'est un culte terrible qui aura un sens prophétique de la plus haute importance dans les sphères spirituelles. Le ciel est debout, ne reste pas assis. Même s'il y a quoi, même à pied, viens. Parce que vaut mieux recevoir cette onction pour 2024 que de rester chez toi. Parce que vous savez qu'après ce grand culte, le dernier grand programme de cette année, ce sera l'Exodus Night, la nuit de l'Exode. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Arrête de pleurer, car ton roi est en route pour t'introduire dans ta saison de gloire. Dis simplement Amen, et cela est établi en ta faveur. Au nom souverain de Jésus-Christ, j'ai dit Amen.